La vie devant moi aujourd'hui, c'est d'être la voix des sans-voix pour ceux et celles qui sont sans voix, pour ceux et celles qui sont des mal-aimés, des exclus, des rejetés de notre société. J'ai toujours pensé que le suicide était un manque d'élégance envers la vie et envers ceux qui restent en vie. Bonjour, je m'appelle Pierre-Louis. Rassurez-vous, je n'ai aucune intention de mettre fin à mes jours ou de m'enlever la vie. Si je vous parle de suicide, c'est parce que dans ma vie, j'ai perdu quelqu'un de très important. Mais cette personne, avant de commettre l'irréparable, m'a laissé un beau cadeau. Un enfant. Mon enfant. Ironiquement, depuis ce drame, la vie n'a jamais été aussi importante pour moi. À 37 ans, désormais, la vie est devant moi. Concrètement, cela veut dire que j'ai des projets. Le travail m'attend dehors, je ne suis pas au chômage. Je suis propriétaire de mon entreprise, qu'on appelle communément une PME, un lave-auto. J'ai des projets de mariage, j'ai des projets d'emménagement dans une maison, pas un logement, fini les logements, dans une maison. J'ai l'intention d'envoyer mes enfants à l'école privée. J'ai l'intention de faire que des bonnes choses pour moi et ma famille. J'ai déjà pensé que le suicide de mon ex était pour m'infliger une peine. Mais quand je regarde mon enfant, quand je regarde mes deux enfants, je ne voudrais pas laisser le suicide de mon ex jouer dans mes sentiments parce que je ne pourrais pas voir l'avenir. Je ne pourrais pas voir demain, encore moins le lendemain. Mais heureusement, ces deux enfants, ils sont demain. Et ils sont même après-demain, 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 et après-demain, et après-demain, et après-demain. Vous voyez, le sourire me revient quand je pense à eux. Ils ont 8 ans et 5 ans. Et je suis très fier d'eux. Je les adore. C'est ce qui me permet de continuer à vivre. Ce qui me permet également aussi d'avoir des projets. J'ai 37 ans. Un jour, je vais avoir 47. Et un autre jour, je vais avoir 57, 97. Le mot prison ne fera plus partie de mon vocabulaire. Cette sentence est la dernière. Est-ce que j'ai l'air de mentir? La vie étant accomplie, je ne crains guère la peur d'affronter l'apocalypse. De vivre dans un pays de 666 communistes n'est qu'une synthèse oubliant la prothèse de son adversaire redoutable comme le feu de l'enfer. L'immortel devient aussi mortel que la couronne du roi Babel créant un château de terre pour toucher le ciel. Dans l'inconscience de notre méfiance, nous élançons notre espérance dans la guerre sanguinaire, espérant retrouver nos confrères dans la beauté de l'herbe. Nous rendons nos âmes à la gamme de la pédale aussi sale que les dalles d'un psychiatre défiant le mal dans une classe sociale, aussi basse que l'archipel éternel des abonnés des ténèbres. Mais Dieu sait bien que nous représentons l'enfer et que nos cœurs sont aussi pairs que 2 et 4 formant le 24e été du ghetto américain dans un quartier haïtien. Malgré tout, ma tête de nègre s'élève en atmosphère pour prouver que je sais me taire, sous le signe de la violence, méprisant mon ultime défense. L'arme à feu allumant le peu des heureux, méprisant le lépreux, sachant, faisant son temps, couronné de jument, engagé par l'idée de détruire la cité et les champs. Hein? Maintenant, j'ai perdu ma vision de sage. Je deviens prisonnier de tous mes actes. Je deviens prisonnier de ma vie, pas celle des autres. La vie est devant moi.